Allons-y, décale. Avancez encore, avancez. Donc, elle va se mettre ici pour voir. Elle n'a qu'à venir. Non. Elle n'a qu'à venir là. Elle va venir ici. Elle n'a qu'à venir ici. Ici, elle verra mieux. Allez, comment tu vas? En forme? Voilà. Donc voilà. Ben, passez comme ça. Vous voyez. Comment tu vas? Maintenant, est-ce que la fondation, parce qu'il paraît que c'est enfoncé, il y a deux immeubles qui sont entrés. Deux niveaux qui sont entrés, qui se sont enfoncés. Tout est rentré. Alors quand dans un immeuble de 5 niveaux, 2 ça veut dire que il y a un mal à rien. Et non pas très grand. Ça c'était un magasin qui fonctionnait. Je vais vous expliquer une fois. Le vendredi, c'est ici. La mairie, comment c'est un arrondissement comme ça. Est-ce que la personne n'a pas les moyens pour la personne? Dans les cartes. Après, les cartes de papier, 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 les cartes de papier. Il a dit non, je ne suis pas d'accord. Même au niveau même de l'Office national de la protection civile, on ne les a pas vus. Le ministère, d'abord le ministère de la construction eux-mêmes, les districts, le ministère de la solidarité. En tout cas, il n'y a rien. Sur le plan technique, c'est bloqué, les attentes, la chefferie, c'est nous. On doit mettre les moyens à notre disposition pour venir en développement tous ces gars. Mais vous avez vu qu'il n'y a pas de gens dedans? En tout cas, nous sommes. Parce qu'il y a deux niveaux encore dedans. Donc ce que était au rez-de-chaussée qui vivait, mais qui mangeait à l'international. Donc on a appelé la France. Le premier jour, on a demandé qu'ils essaient d'appeler les forces françaises, parce qu'ils ont les machines, tout ça. Oui. Si j'étais venu, on aurait eu des forces. Moi, je suis dans les... Mais vous n'avez pas été. Non, c'est les sapeurs-pompiers. Ils disent qu'eux ont les moyens de le faire. Dans un certain moment, c'est le coup de la jeunesse avec la chefferie. On a sauvé plus de vies. Avant même que les gars ne viennent, même les sapeurs-pompiers étaient là, nous on a fait sauver plus de 11 personnes. De 14h jusqu'à 16h, tout le monde a fait sauver plus de 11 personnes. Avant même que les gars ne viennent, il y a plein de personnes. Les vies. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars. Et c'est depuis le 13 mars. 10 jours, ça fait 10 jours. Ça fait 100 000. Non, vendredi. Vous êtes vendredi à 14h. Ok. On va avancer. Il y a une cour. Tout le monde.
La première dame et le chef seulement, s'il vous plaît, pour des questions de COVID. Des questions de COVID, tout le monde doit attendre ici. Merci. La dame qu'on a salué là. Ah, wow. Encore un lit qui est sous les deux. Ok, on peut répondre. Pardon. Oui, ça peut plus tenir. Même chez là même, c'est pas trop super. Même si c'est là, c'est pas trop. Donc, à peine je descends la rivière chez le grand-papa, on m'appelle, je dis, le bébé est tombé. Oui, maman, depuis une semaine, on ne sait même pas où dormir. S'il vous plaît, on va faire demi-tour, s'il vous plaît. On ne sait même pas où dormir. Ça va, d'abord. Ça a détruit. Madame,
Je
chefferie, Gabo, aux différentes familles envoyées, au nom de la première dame Simone de Libé Bago, au nom de la délégation qui l'accompagne, je voudrais, par ma voix, vous dire encore Yako. Présenter ses condoléances. Elle a appris la nouvelle, c'est notre voisine, elle est dans un nono. C'est également une fille d'un nono. Et ayant appris cette nouvelle, elle ne pouvait pas rester indifférente. Donc elle s'est déplacée. On était tout à l'heure à la chefferie du village. Elle aurait pu, après avoir échangé avec la chefferie, retourner. Mais c'est une dame de cœur, c'est une mère. Et elle sait la douleur que vous ressentez. Elle a voulu se déplacer, arriver et elle-même voir ce qui s'est passé. De sorte que, ayant vu, ayant pris connaissance, elle saura prochainement traduire un certain nombre de choses. Mais pour l'heure, elle me charge de vous dire Yako. Yako à toutes les familles. Devant la mort, tout le monde pleure. Devant la mort, nous devons nous unir. Et c'est pour cette raison qu'elle est là. Mais elle n'est pas venue les bras ballants. Elle est venue pleurer également avec vous. Vous avez enterré vos enfants. Vous avez fait quelques dépenses. Vous avez dû emprunter de l'argent parce que c'était imprévu. Et certainement, vous avez des dettes. Mais ce qu'elle peut faire pour vous aider, elle est donc venue avec des enveloppes pour compatir, pour vous soutenir à sa manière, pour pleurer avec vous. Donc, les trois familles ici réunies, il y a la famille assise. La famille assise, ce sont les fils d'Andalou. Assis, Arthur, c'est un ami de ma catégorie, donc de ma génération. J'étais moi-même présent le jour où l'immeuble s'est écroulé. Et pour vous dire, vraiment, c'est un combattant. Vous voyez, il a les cheveux blancs. Et quand on m'a arrêté et que j'étais en prison, il a dit qu'il ne se coifferait pas tant que je ne sortirais pas. Et c'est quand je suis sorti qu'il a accepté de se couper les cheveux. Donc j'étais là, vraiment j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Et il est, c'est son petit frère. Et les deux frères ont eu deux enfants sous l'immeuble. Et ce que j'ai appris, lorsqu'ils ont été retrouvés, les frères étaient entrelacés. Les enfants étaient entrelacés. Donc vraiment, c'est douloureux. Donc, chers camarades, chers frères, au nom de la première dame, je vous remets cette enveloppe qui contient 100 000 francs pour vous vraiment soutenir. La seconde famille, c'est voilà. Je vous remets également 100 000 francs pour vous soutenir. Et à vous également 100 000 francs. Donc la première dame me charge de dire également vraiment Yako aux épouses, parce que ce sont des mères et c'est douloureux pour eux. Quand un enfant même est bébé et qu'il décède, c'est une douleur, c'est une perte. La plus forte raison, quand l'enfant a 4 ans, 5 ans, 7 ans, vraiment c'est un malheur qui le touche. Donc au nom de la première dame, au nom de la délégation, Yako encore. Que Dieu lui-même touche votre cœur et que Dieu vraiment vous apaise.